Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue de parler matériaux, mais cette fois-ci, on va se pencher sur une famille entière de matériaux, celle des polymères. Alors, c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu, hein, que ce soit pour les pâtes polymères, pour les batteries lithium polymères, et dans la première vidéo, je vous avais donné de nombreux exemples. Mais concrètement, c'est quoi un polymère? Commençons par un petit peu d'étymologie. Polymère vient du grec polus et méros, ce qui signifie plusieurs parties. Les polymères sont en fait de très grandes molécules, qu'on appelle des macromolécules, constituées d'une multitude de petites briques élémentaires qui se répètent et qu'on appelle des unités monomères. On parle aussi de chaîne moléculaire, puisque une molécule polymère est associable à une longue chaîne dont chaque unité monomère serait un maillon. Mais comment est-ce qu'on obtient ces très grandes molécules? Eh bien, voyons ça avec le plus simple des polymères, qui sert notamment à fabriquer nos sacs poubelles. Voici une molécule d'éthylène, avec ses deux atomes de carbone et ses quatre atomes d'hydrogène. Alors l'éthylène, c'est un gaz inflammable qui est très similaire au méthane ou à l'acétylène des chalumeaux. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce gaz alors que juste avant on parlait de sac poubelle? Eh bien parce que sa particularité, c'est qu'avec les bonnes conditions, notamment de pression, de température et la présence de catalyseurs, les molécules qui le composent vont pouvoir réagir entre elles et se lier les unes aux autres. C'est ce que l'on appelle le phénomène de polymérisation. De façon générale, c'est le phénomène au cours duquel les monomères, des molécules qui sont capables de réagir entre elles dans les bonnes conditions, s'assemblent pour former une longue chaîne, le polymère. Ici, vu que le monomère c'est l'éthylène, on appelle le polymère synthétisé le polyéthylène. Mais attention, hein, tous les polymères ne sont pas nommés en poly quelque chose, comme l'ABS ou le caoutchouc par exemple. Normalement, on se doit de mettre les parenthèses pour le nom, mais il est très fréquent qu'on ne les mette pas. On utilise parfois aussi un acronyme, comme PE pour le polyéthylène, PVC pour le polychlorure de vinyle, ou PS pour le polystyrène. Comme je parle du polystyrène, j'en profite pour vous présenter encore un mot de vocabulaire. Les atomes, autres que l'hydrogène, ou les groupements d'atomes qui sont fixés sur la chaîne principale mais qui n'en font pas partie, sont appelés des groupes secondaires. Dans le cas du polystyrène, on a sur chaque unité monomère un groupe phényle, c'est son nom. Par contre, dans le cas du polyéthylène, il n'y a que des atomes d'hydrogène sur toute la chaîne, donc il n'y a aucun groupe secondaire. C'est pour ça que c'est le plus simple des polymères. En ce qui concerne la représentation du polymère, en chimie, on a quatre façons de dessiner une molécule. On peut écrire ce qu'on appelle sa formule brute, semi-développée, développée ou topologique. Et si c'est simple à faire dans le cas de petites molécules comme l'éthylène ou le CO2, comment faire pour une macromolécule comptant parfois plusieurs millions d'atomes? Et bien plutôt que de s'embêter à tout dessiner, on se contente de dessiner là où les unités monomères, entre parenthèses, et on met un petit indice n pour dire que ça se répète n fois. Pour donner des valeurs, ça peut se répéter quelques dizaines de fois à plusieurs centaines de milliers de fois. Maintenant qu'on a grossièrement vu ce qu'était un polymère et quel phénomène permet leur fabrication, voyons comment ces macromolécules s'organisent dans les matériaux polymères, parce qu'en fait c'est avec ça qu'on va les classer. Quels qu'ils soient, les polymères se regroupent en deux grandes familles. On va avoir d'un côté ce que l'on appelle les thermoplastiques et de l'autre les thermodurs, ou les thermodurcis, qu'on confond souvent avec les thermodurcissables, mais il y a une petite subtilité. Dans un thermoplastique, les chaînes polymères se présentent un peu comme un plat de spaghettis moléculaires, même si en vrai toutes les chaînes ne sont pas linéaires. Certaines présentent par exemple des ramifications, qui sont des sortes de branches. Mais qu'importe la configuration de chaque chaîne, ce qui est commun à tous les thermoplastiques, c'est qu'il n'y a que des liaisons faibles entre les chaînes, pas de liaisons fortes. Pour l'analogie, ces forces qui s'exercent entre les chaînes polymères et qui finalement assurent la cohésion du matériau, c'est presque la même chose que lorsqu'un ballon frotté sur vos cheveux colle au plafond. En fait, ce sont des charges électriques qui permettent de tenir. Il n'y a pas de véritable accroche comme avec un collage, par exemple. La conséquence de la présence de ces liaisons faibles, c'est que si, à basse température, elles limitent la mobilité des chaînes, ce qui crée finalement une rigidité qui donne un comportement solide au polymère, eh bien, en le chauffant au-delà d'une certaine température, la chaleur va permettre de casser ces liaisons, donc les chaînes ne sont plus accrochées à leurs voisines, et elles peuvent glisser les unes par rapport aux autres, ce qui s'observe par un ramollissement, le matériau perdant sa cohésion et ayant le comportement d'un fluide épais. C'est pour ça qu'on parle de thermoplastique. Lorsqu'ils refroidissent, ils retrouvent leur comportement d'avant la chauffe. Ce comportement est donc dit réversible. L'avantage, c'est que ça permet de facilement les mettre en forme et de les recycler,
mais ils ne sont généralement pas performants pour des applications à haute température. Haute température, pour les polymères les plus courants, c'est la centaine de degrés. Rien d'exceptionnel, on est loin des 1000 degrés de nombreuses céramiques. Ces liaisons faibles expliquent aussi pourquoi ils sont bien moins résistants et rigides que les métaux et les céramiques, et aussi pourquoi beaucoup d'entre eux sont solubles dans un solvant, qui va en fait venir se glisser entre les chaînes et les écarter, ce qui peut provoquer là aussi un ramollissement. Selon le polymère et sa configuration, un thermoplastique va être amorphe ou bien semi-cristallin. Dans le premier cas, les chaînes ne sont pas organisées et occupent aléatoirement l'espace. Dans le second, par contre, une partie des chaînes s'aligne localement. Alors on dit semi-cristallin, parce qu'en fait c'est impossible d'avoir 100% de cristallinité dans un polymère. Et ça, ça a une conséquence sur les propriétés des thermoplastiques, puisque dans les régions cristallines, les chaînes sont très rapprochées, ce qui augmente l'intensité des interactions et donc la cohésion du matériau. Les semi-cristallins disposent généralement d'une rigidité, d'une tenue en température et d'une résistance au solvant un peu meilleure que celle de leurs homologues amorphes. Ils sont aussi très souvent translucides ou opaques, parce qu'en fait, les chaînes alignées diffusent la lumière, comme les gouttelettes dans les nuages, alors que les amorphes, eux, sont très souvent transparents de base. Et maintenant, l'autre catégorie. Dans un thermodur, les chaînes polymères sont liées entre elles par d'autres chaînes plus courtes, qu'on appelle des réticulations ou des pontages, et donc par des liaisons fortes, ce qui empêche les chaînes de glisser les unes par rapport aux autres. En conséquence, contrairement aux thermoplastiques, les thermodurs sont infusibles, puisque malgré la chaleur, les chaînes ne peuvent pas glisser. Comme ce sont les mêmes liaisons qu'on va retrouver dans les chaînes et entre les chaînes, eh bien, si on atteint une température suffisante pour rompre ces liaisons, il n'y a aucune raison pour que seules les réticulations se dégradent. En fait, c'est tout le thermodur qui va cramer. La formation des réticulations est donc un phénomène irréversible. On ne peut mettre en œuvre un thermodur qu'une seule fois. Ces réticulations rendent aussi les thermodurs impossibles à recycler, mais améliorent leur tenue en température et leurs propriétés mécaniques, en plus de les rendre insolubles. Pour la structure, ils sont systématiquement amorphes puisqu'en fait les chaînes sont bloquées par les réticulations et donc elles ne peuvent pas se serrer. Un point intéressant qui découle de leur structure, c'est que si les thermoplastiques sont finalement constitués de milliards et de milliards de macromolécules, eh bien un thermodur, quelle que soit sa taille, n'est constitué que d'une seule et même gigantesque molécule. Puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, voyons rapidement la distinction entre les thermodurs et les thermodurcissables. En français, le suffixe « able » sous-entend la possibilité, qui peut être. Recyclable veut dire qui peut être recyclé, déformable qui peut être déformé, et consommable qui peut être consommé. Du coup, thermodurcissable signifie qui peut être durci à chaud, alors que thermodurci, ou thermodur, signifiera plutôt qui a été durci à chaud. Dans les faits, ce qu'on devrait appeler un thermodurcissable est très souvent une résine thermodurcissable que vous connaissez peut-être sous forme de colle bicomposant par exemple, comme l'araldite, qui est de l'époxy. On va avoir dans un tube des prépolymères, c'est-à-dire des petits polymères qui vont encore pouvoir réagir, et dans l'autre, un amorceur ou un durcisseur qui va permettre de lancer la réticulation lorsque le contenu des deux tubes sera mélangé. En réticulant, la résine thermodurcissable devient un polymère thermodurci, ou thermodur. Et pourquoi thermo ? Eh bien, la réticulation, qui conduit donc au durcissement de la résine, est à la fois un phénomène qui génère de la chaleur et qui est amélioré si la pièce est cuite lors de la réaction. En plus des deux grandes familles de polymères qu'on vient de voir, il existe aussi celle des élastomères, dont caoutchouc est un synonyme couramment employé. Un élastomère, c'est un thermodur peu réticulé, disposant d'un très grand allongement avant rupture, supérieur à 100%, et dont les zones non réticulées sont ramollies à la température ambiante. Ce qui explique leur élasticité importante, c'est qu'au repos, les chaînes sont très repliées sur elles-mêmes. Du coup, lorsqu'on les étire, elles se déroulent de façon importante, ce qui s'observe à l'échelle macroscopique par un fort allongement du matériau. Et lorsqu'on les relâche, elles se réenroulent pour reprendre leur état initial. Le faible taux de réticulation, qui permet le déroulement des chaînes, permet aussi d'avoir quelques élastomères semi-cristallins, bien qu'ils soient techniquement des thermodurs. Et depuis plusieurs années, sont développés des élastomères thermoplastiques, puisque élastomère seul sous-entend réticulé, donc thermodur. Ces élastomères thermoplastiques sont analogues aux élastomères, sauf qu'ils ne sont pas réticulés, mais ils présentent des segments rigides entre les segments souples, qui se lient par des liaisons faibles. Ils sont plus simples à mettre en forme et théoriquement recyclables,
mais plus cher à performance équivalente. Voilà donc les quatre grandes familles de polymères. Alors, outre ce classement selon la structure et l'organisation des chaînes, il existe moult appellations applicables aux polymères selon d'autres paramètres. Par exemple, vous vous souvenez du petit indice N dans la représentation des polymères et qui indique le nombre d'unités monomères qui constituent une chaîne, et donc au final sa longueur. Eh bien, si cet indice N est inférieur à quelques centaines, c'est-à-dire que la macromolécule est constituée de quelques dizaines à quelques centaines d'unités monomères, on va parler d'oligomère, oligo voulant dire peu abondant. Au-delà, on parle officiellement de haut polymère, mais par habitude, on emploiera simplement le terme polymère. En plus de la longueur des chaînes, on peut considérer le nombre d'unités monomères différentes qu'on va retrouver dans les chaînes. Quand il n'y en a qu'une seule, comme pour le polyéthylène qui n'est fait qu'avec de l'éthylène, on va parler d'homopolymère. S'il y en a plusieurs, comme pour l'ABS ou les élastomères thermoplastiques, et que chacun peut servir à fabriquer un homopolymère si on l'isole, on parlera de copolymères. Alors, selon leur arrangement, on les dira statistiques si les différents motifs s'arrangent de façon aléatoire, alternés si on a une alternance des motifs élémentaires, à bloc s'il y a une séparation totale, et greffés s'ils forment des sortes de branches. Mais attention, pour parler de copolymères, il faut qu'on retrouve les différents motifs dans une même chaîne. Si ça ressemble à ça, c'est un copolymère, mais si ça ressemble à ça, c'est un mélange de polymères. Ensuite, il existe des appellations selon l'origine des polymères ou l'origine de leurs monomères. Soit les monomères sont issus de ressources fossiles, donc le charbon, le pétrole ou le gaz. Les polymères synthétisés avec sont dits pétrosourcés. Soit les monomères ou les polymères sont issus du monde vivant, donc les animaux, les végétaux ou les algues. Ils sont alors dits biosourcés. Ensuite, si le polymère est directement issu du monde vivant, sans modification, on le dit naturel. Si l'homme modifie un polymère naturel, il est dit artificiel. Et si c'est l'homme qui polymérise les monomères biosourcés ou pétrosourcés, on parlera de polymère synthétique. Donc oui, un polymère artificiel est biosourcé, et un polymère synthétique peut l'être aussi. Par exemple, le Rislan, un polyamide, qui sert notamment à fabriquer les Serflex, qu'on appelle du coup parfois aussi des Rislans, c'est un polymère synthétique biosourcé. Son monomère est polymérisé par l'homme, donc il est synthétique, mais il est extrait de l'huile de ricin, elle-même extraite de la plante du même nom. Oui, celle dont on extrait aussi la ricine, le poison 6000 fois plus puissant que le cyanure. Pour terminer, je tenais à faire remarquer que vous verrez souvent l'appellation matériaux organiques pour parler des polymères, puisqu'en fait, la quasi-totalité d'entre eux sont organiques, qui est un joli mot pour dire à base de carbone, avec d'autres éléments, à quelques exceptions près, selon la définition en vigueur. Donc, les plastiques, c'est organique, le pétrole, c'est organique, la majorité des médicaments sont organiques, et vous, ce que vous êtes et ce que vous mangez, c'est organique. Par contre, des composés comme le diamant ou le charbon, non, parce qu'en fait, il n'y a que du carbone. Dans le cas précis des polymères, on considérera qu'il est organique si la chaîne principale est faite à base de carbone, qu'importe les groupes secondaires. Mais tous les polymères ne sont pas organiques. Il existe quelques exceptions. La première, c'est celle des silicones. Alors ce sont des polymères hybrides, c'est-à-dire à la fois organiques et inorganiques, dont les chaînes ne sont pas faites de carbone, mais de silicium et d'oxygène. Par contre, leurs groupes secondaires sont généralement des composés organiques. Donc on les appelle des organominérales, puisque inorganique et minéral sont synonymes. Mais si les groupements ne contiennent pas de carbone, la silicone correspondante sera simplement inorganique. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse linguistique sur une erreur de traduction que j'entends un peu trop souvent. Dans le langage courant, la silicone, c'est l'élastomère qui sert par exemple à fabriquer les moules à gâteaux ou les moules à glaçons. Le silicium, quant à lui, c'est le 14e élément de la classification périodique et c'est surtout la base de nos microprocesseurs. Nos amis anglophones, en plus d'utiliser le système d'unités impériales, se sont dit que ce serait une bonne idée de nommer le silicium et les silicones, silicone et silicone. Donc, attention quand vous traduisez de l'anglais vers le français, à vérifier si le E est présent ou pas, parce qu'il y a quand même une petite différence entre ces deux matériaux. On a ensuite une autre catégorie de polymères un peu à part, c'est celle des géopolymères. Ici, il n'y a que du silicium, de l'aluminium, de l'oxygène et quelques autres éléments, mais pas de carbone, nulle part. Il s'agit donc d'aluminosilicate. Une roche, artificielle comme le béton, sauf que celle-là ne rejette pas des quantités astronomiques de CO2 lors de sa fabrication.
De par leur nature, si je dois en parler, je le ferai plus avec les céramiques qu'avec les polymères. Après, il existe toute une panoplie de polymères particuliers qui peuvent être hybrides ou inorganiques selon le groupement secondaire, mais je ne m'étale pas dessus parce qu'ils se limitent au laboratoire et n'ont pas vraiment d'application industrielle. C'était surtout pour vous montrer que les polymères, ça ne se résume pas forcément qu'au plastique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo d'introduction aux polymères. Alors je trouve qu'il y a quand même pas mal de concepts et de termes assimilés, donc je pense que ça suffira pour cette fois. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous n'êtes pas trop perdus, et je vous dis à la prochaine.